Les gens, le monde, le marché s'en bat les reins de toi en fait, de ce dont tu as besoin en fait. Les gens s'en battent les reins, frérot. Les gens s'en battent les reins, tu vois. Il n'y a que toi, tout le monde est focus sur soi en fait. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche. Mets un petit j'aime, tu peux déjà mettre, hein, c'est gratuit. Hein. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action et créer ta vie sur mesure et pour ça il faut faire de l'argent. Pas besoin d'être millionnaire. Mais en tout cas, il va falloir faire un petit peu d'argent quand même, les gars. Donc, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine. Je te détaille exactement étape par étape. C'est juste pour que tu puisses voir vraiment voilà, comment créer un business en ligne, comment ça fonctionne, comment faire pour pouvoir faire de l'oseille, pour que tu aies tous les principes, que tu aies tous les étapes en fait. Tu vois, c'est gratuit, c'est offert. Donc, vas-y, tu es libre de pouvoir y accéder. Fais-toi plaisir. Et deuxième chose, c'est pour les personnes qui veulent aller plus loin. J'ai ma formation Pirate Marketing qui est 100% financée. Ok, en tout cas, tu peux utiliser ton financement si jamais tu veux y accéder. Je te partage toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois. Voilà, et en plus, il y a des bonus complémentaires que j'ai mis en plus dedans. C'est-à-dire bonus sur comment investir en immobilier, un expert qui intervient, comment investir dans les startups. Bonus complémentaire sur le branding aussi, il a travaillé avec Coca-Cola. Bref, je t'ai partagé vraiment, j'ai mis tout dedans dans Pirate Marketing pour que tu puisses avoir tous les éléments pour passer à l'action et faire de l'oseille. Mais après, les gars, c'est pas magique. Hein. Si tu taffes pas, il va rien se passer. C'est pas genre tu regardes toutes les vidéos, ah oh, ouais, c'était super. Et puis après, tu vas continuer, tu regardes Netflix. Non, ça fonctionne pas. Bref, en tout cas, si jamais tu as des questions par rapport à ça, tu vas aller plus loin. Tu cliques sur le lien dans la description. Tu mets ton numéro, ton prénom, ton email et il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler et tu vas pouvoir poser toutes tes questions. Si jamais tu veux utiliser ton CPF pour accéder à la formation, on va t'aider à monter le dossier et après on aura les accès à Pirate Marketing et après il faudra passer à l'action. Et les gars, pas d'excuses, j'ai grandi à Évry dans 91 dans le quartier des Pyramides, arrêté de chialer, j'étais salarié, j'ai découvert le business super tard, j'avais 34 ans et voilà, ça fait plus de 3 ans que je voyage aujourd'hui, que je suis libre. Est-ce que c'était facile? Non, mais voilà, il faut charbonner. Est-ce que ça va super vite? Non. Voilà, enfin, ça dépend de ce que tu entends par rapide ou non. Mais bon, bref, passons directement au sujet de la vidéo. Voilà pourquoi la plupart des gens ne font pas d'argent et ils sont pauvres hein, concrètement et qui galèrent tous les mois. Tout part dans la tête, tout part de la manière dont tu penses. Tu vois, donc je suis pas un gars qui est à fond dans tout ce qui est trop perché, philosophie, tout ça, machin. Moi, j'aime ce qui est concret, tu vois, concrètement. Un petit peu comme Arnold, j'ai eu dans sa biographie, Arnold Schwarzenegger qui disait, lui c'est concret. Tu vas dire objectif, ok, il écrit l'objectif, il le lit tous les jours, il le visualise tous les jours. On va le péter, on y va, on a passé à l'action, tu vois. Bref, et donc du coup, l'un des trucs que j'ai remarqué que les gens font, quand ils veulent faire de l'argent. Et j'ai fait aussi la même erreur. Donc, l'idée, c'est que tu ne refasses pas la même erreur. Voilà, j'ai fait pour toi l'erreur, donc ne la fais pas pour te faire gagner du temps. De toute façon, l'idée de la chaîne, c'est ça, c'est de te faire gagner du temps hein, sur tous les domaines que j'aborde. Ce qui se passe, c'est quand les gens, tu leur dis, ouais, alors qu'est-ce que tu veux, etc. Machin, ils disent, ouais, moi, je veux faire de l'oseille, je veux de l'argent, j'ai besoin d'argent, que des trucs comme ça, j'ai besoin d'argent, etc. Et ils ont tellement le concept comme ça qu'il y a des gens qui vont demander de l'argent parce qu'ils disent, j'ai besoin d'argent. Ok, genre toi t'en as pas besoin, toi, mais eux ils en ont besoin, tu vois. Donc ils en ont besoin, donc ils vont envoyer des messages à des gens qui savent que par exemple qu'ils ont de l'argent, je sais pas, qu'ils sont millionnaires ou je sais pas quoi. Ils vont envoyer un message, un DM sur Instagram, ouais, vas-y, envoie-moi de l'argent. J'ai besoin de l'argent, c'est chaud. Est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent, tu vois? Donc déjà tout le concept de la manière dont tu réfléchis, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas en fait de mendier de l'argent en fait. Et tu sais pourquoi? Parce que les gens, le monde, le marché s'en bat les reins de toi en fait, de ce dont tu as besoin en fait. Les gens s'en battent les reins, frérot. Les gens s'en battent les reins, tu vois. Il n'y a que toi, tout le monde est focus sur soi en fait. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent, il y a des shoots. Aujourd'hui, tu meurs dans la rue, ah, les gens ils passent à côté, frère. Tu tombes comme ça, ils disent, oh, oh là là, ils passent à côté, ils continuent leur chemin. Alors, il y a quelques personnes quand même, hein, il reste encore des bons gars, tu vois. Quelques personnes qui vont dire, ah, quand même, c'est bizarre là, non, tout ça. Tu vois, ils vont pleurer 2-3 secondes et puis après, ils vont passer à autre chose. Hein. Tu vois, aujourd'hui, tu entends aux informations des gens qui meurent lors d'un shooting. Je sais pas, les gens ils se font shooter dans la rue, tout ça, machin. Tout ça, c'est plutôt aux États-Unis, ça. Bon, bah, pff, bon. Déjà, ils calculent même plus. Bon, là, je pars un petit peu hors sujet. Mais ça pour te dire que
Le marché s'en bat les reins de ce dont tu as besoin en fait. Ta manière de penser n'est pas la bonne, tu vois. Tellement elle n'est pas la bonne que les gens arrivent à dire, ils demandent de l'argent aux gens, tu vois. La seule façon de faire de l'oseille, la seule façon de faire de l'argent, c'est d'apporter de la valeur au monde. Alors ça veut dire quoi d'apporter de la valeur au monde? Ça veut dire d'aider quelqu'un, je sais pas, le divertir, lui proposer un service, faciliter sa vie. Mais en tout cas, il faut que tu lui apportes de la valeur dans sa vie. Et à ce moment-là, il va te rémunérer parce que tu l'as aidé, parce que tu as fait quelque chose. Mais le concept, c'est d'abord tu penses à l'autre et après tu vas être rémunéré. Mais ça ne fonctionne pas dans le sens inverse. Alors je sais que c'est difficile aujourd'hui, tout le monde veut tout sans rien faire et tout le monde pense qu'à soi. Mais en tout cas, pour pouvoir faire de l'oseille, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu es obligé d'aider des gens, il faut leur apporter de la valeur. Il n'y a pas d'autre façon de faire, tu vois. Une fois que tu as vu comment tu pouvais aider les gens, bah du coup, à ce moment-là, c'est là que tu as besoin de travailler sur toi, développer tes compétences pour pouvoir les compétences qui vont pouvoir leur permettre de les aider. Par exemple, si jamais, imaginons, tu veux aider les personnes à faire, je sais pas, les entrepreneurs à faire plus d'argent, tu as vu que si jamais ils ont besoin de vendre plus, il faut qu'ils aient beaucoup de copywriting. Bon, du coup, tu es obligé de travailler sur une compétence qui est le copywriting. Par exemple, c'est un exemple au hasard. Tu vois, mais tu vas travailler pour pouvoir avoir des compétences bonnes lorsque tu vas faire ton copywriting pour ton client. Donc, du coup, tu vas l'aider à faire plus d'argent. Lui sera content et du coup, lui, il va te rémunérer. Et forcément, les compétences, ça prend du temps. Tu vois, tu vas pas devenir un super bon copywriter, je sais pas, en 6 mois ou 1 an. Tu vois, je pense pas. Je pense que c'est comme toutes les compétences, ça prend du temps. Que ce soit sport, musique, business, quel que soit, enfin, tout prend du temps et prend des années. Okay, donc c'est pour ça que les choses prennent du temps, c'est pour ça que les choses, ça prend du temps de faire de l'argent parce qu'il faut avoir des compétences nécessaires pour pouvoir aider les gens. Pour avoir des compétences, ça prend du temps. Donc c'est normal que, c'est pour ça que à chaque fois je dis les business, ça prend entre 2 à 5 ans parce que le temps que tu développes la compétence pour pouvoir faire aider les gens qu'après ils te rémunèrent, ça prend du temps, ça demande de l'expérience, ça demande de se former. C'est pour ça que j'achète des formations en ligne. C'est pour ça que je me forme, c'est pour ça que je lis, c'est pour ça que je demande conseil aux gens qui sont déjà plus loin que moi, tu vois, pour pouvoir avoir les informations et les mettre en pratique rapidement parce qu'une fois que tu as les infos, ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils regardent une formation, à réponse, ça y est, c'est bon. Ben non, c'est que le début. Quand tu as lu la formation, enfin quand tu as regardé la formation, après, il faut l'appliquer dans la vraie vie. Tu vois, il faut l'appliquer dans la vraie vie et puis échouer et se relever, etc. Tu vois. Tu vois, c'est comme si jamais on te dit, ouais, en théorie, voilà comment on joue au foot. Là, tu mets un crochet, normalement, le défenseur, il va partir là-bas, là. Après, il faut le faire sur le terrain. Il faut le faire sur le terrain, sous la pression, quand c'est un stade, quand tu es fatigué, quand tu es machin. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Ben, le business, c'est pareil, tu vois. Donc, ça, c'est la raison principale pourquoi les gens, ils n'ont pas plus d'argent. Après, la gestion de l'argent, l'investir, le multiplier, c'est encore autre chose. Là, on est juste sur la première partie sur l'argent. Parce que sur l'argent, il y a 3 étapes. Faire de l'argent, le gérer, ça veut dire pas le dépenser n'importe comment et après savoir le multiplier, tu vois. Mais là, sur cette première phase-là, c'est pour ça que les gens ne font pas d'argent parce qu'en fait, on a l'impression que l'argent, c'est comme si c'est un truc, je sais pas, fictif. Non, c'est concret, tu vends quelque chose, tu vois. Et pour pouvoir vendre quelque chose, il faut que les gens, ils aient envie d'acheter. Donc après, ça peut être plein de choses, hein. Tu peux divertir les gens. Tu vois, le cinéma, c'est un produit. Tu vois, les films, c'est un produit. Après, ça peut être un produit physique, quel que soit, c'est un ustensile, quel que soit, un couteau, c'est pour qu'ils puissent manger, hein, couper leur steak, tu vois. Je veux dire, après, tu vends tout ce que tu veux, tu vois. Mais dans tous les cas, il va falloir d'abord penser à l'autre et savoir comment je peux améliorer sa vie. Tu vois, si tout le monde a un iPhone aujourd'hui, c'est parce que Steve, il a pensé à comment on peut faire pour faciliter leur vie. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et non, moi, j'ai besoin d'argent. Chialer, les gars, et en pensant que comme si quelqu'un va te donner de l'argent, c'est ce que font les gens quand ils descendent dans la rue. C'est pour ça que moi, je ne descendrai jamais dans la rue parce qu'en fait, si je veux plus d'argent, je pense pas que c'est le meilleur concept. Tu vois. Descendre dans la rue et demander plus d'argent parce que le pouvoir d'achat a baissé, demander au gouvernement plus d'argent, je comprends pas le concept en fait. Déjà, je pense pas qu'il va te le donner. Ou s'il te le donne, il va te le reprendre ailleurs. Enfin, ça n'a pas de sens. Il est obligé de gérer lui l'économie de son pays. Enfin, non, si je veux plus d'argent, c'est à moi d'apporter plus de valeur, tu vois. Et plus tu vas apporter de la valeur au monde, comme il disait Charles Munger, c'est l'associé de Warren Buffett, le monde, il n'est pas encore assez fou pour pouvoir récompenser des personnes qui ne le méritent pas. En gros, si jamais tu charbonnes, tu vas toujours être récompensé. Tu vois, je veux dire, il n'y a personne qui réussit ou qui touche de l'argent sans l'avoir mérité. C'est pour ça que les concepts des gens qui haïssent les riches ou qui pensent que c'est des voleurs ou je ne sais pas quoi, c'est un mindset qui... Ça veut dire que tu ne comprends pas comment l'argent fonctionne.
Ça veut dire que ces gens-là, ils pensent que genre c'est comme la loi d'attraction. Tu es là, tu fais eh, je veux un million sur mon compte, je veux un million sur mon compte, je veux un million sur mon compte. Et l'argent, il apparaît comme ça. Tu vois, ils comprennent vraiment pas le concept de l'argent. Ils ne savent pas du tout c'est quoi de l'argent en fait. Et autre erreur aussi que même moi j'avais fait, c'est de dire ok, même si j'ai jamais été demandé quand même, envoyer un DM à un gars pour lui demander de l'argent, enfin, ça n'a aucun sens. En plus, même si le gars il te donne l'argent, tu vas le dépenser et après tu te retrouves à zéro. Enfin, je préfère que tu m'enseignes. Si jamais, à la limite, si j'envoie un DM à un gars qui est plus avancé que moi, qui a plus d'argent, etc., je demanderais plus s'il peut m'accompagner, me former ou un truc comme ça. Pour que je préfère apprendre à pêcher que tu me donnes le poisson. Bref, ça c'est encore une autre parenthèse. Mais ouais, une des erreurs qu'il faut que tu évites de faire, c'est de dire par exemple, imaginons tu veux faire 10 000 euros par mois, c'est de dire ouais, je vais faire 10 000 euros par mois, je vais faire 10 000 euros par mois. Et, ok, c'est super, mais en fait il faut savoir, ok, mais à quoi ça correspond ces 10 000 euros par mois? Ok, c'est quel produit tu vends, à quel prix? Ok, donc imaginons que c'est que tu vends un produit à 1 000 euros, tu veux faire 10 000 euros par mois, ok, ben combien de produits tu as besoin de vendre? Ben voilà, ben ça fait 10 000. Donc ça veut dire qu'il te faut 10 clients. Et là, tu as 10 000 euros de chiffre d'affaires. Tu vois. Et quand tu vois les choses comme ça, je trouve que c'est plus clair en fait. Tu vois. On n'est plus dans de l'argent, on ne sait pas d'où ça vient. C'est comme si c'est un truc magique qui apparaît sur ton compte. Non, là, c'est clair. Ok, voilà. Trouve un produit, trouve quelque chose à vendre. Ok, si jamais c'est un service, sois bon dans ce service-là. Si c'est un produit que tu veux vendre, ok, tu as déjà le produit. Je ne sais pas si dans l'e-commerce, ok, tu as un produit, je pense que ce sera 1 000 euros, mais bon. Quel que soit le produit que tu as à vendre, ok, combien de clients je dois avoir ce mois-ci? Ok, ça fait, et là j'aurais 10 000 euros par mois. Ok, mais du coup, peut-être que tu auras du marketing à mettre en place. Donc, tu vas peut-être payer, j'en sais rien, moi, 1 000, 2 000 euros par mois en marketing, en pub, pour pouvoir faire 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, combien il te reste une fois que tu as payé les gens qui sont avec toi? Donc, si jamais tu veux 10 000 euros net, il faut que tu calcules tout ça. Ah, peut-être qu'en fait, il faut que je vende, j'ai 50% de marge, je te dis un truc au hasard, j'ai 50% de marge, ce qui est bien si jamais tu as ça. 50% de marge. Donc, du coup, après tout ce que j'ai à payer, il faut que je vende au moins pour 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, du coup, comme ça, après, il me reste 10 000 euros à peu près net que je peux utiliser pour moi, pour investir une partie, pour pouvoir, pour mon lifestyle, etc., etc. Donc, tu vois, avec tout ce que je t'ai dit, c'est juste pour te montrer que l'enrichissement, en fait, ça prend du temps, en fait. Parce que même si tu fais 10 000 euros net, si tu veux, par exemple, t'enrichir rapidement, investir dans les crypto-monnaies, en bourse, il faut que tu investisses une partie. Et l'idée, c'est investir max. Il faudrait tout investir pratiquement si tu peux, en fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que tu vives à un moment donné sur un seuil de pas pauvreté. Oui, carrément. Ça. En tout cas, tu n'augmentes pas ton train de vie parce que tes revenus augmentent. Parce que sinon, tu ne vas pas t'enrichir. Tu vois, donc du coup, une partie, genre peut-être même 50-60%, tu investis. Et après, avec le reste, tu vis, tu vois. Et si tu veux augmenter ton train de vie, on va dire que tu dois augmenter encore ton chiffre d'affaires, et etc., tu vois. Et après, sur des années, à force d'avoir fait ça, sur 5 ans, 10 ans, là, tu vas faire énormément d'argent, tu vas avoir des revenus passifs. Et là, à ce moment-là, boum, tu vas pouvoir utiliser tes revenus passifs comme tu veux, les dépenser, etc. Mais par exemple, les gens qui font genre, ils font 10K net, imaginons, et qui dépensent chaque mois comme si c'était un 10K net qui allait être là tout le temps. Le jour où il y a un virage, où leur produit best-seller ne fonctionne plus, ou enfin, il y a un virage qu'ils ont raté, ils se retrouvent à zéro. Ça veut dire que sur leur compte, leur fortune n'a jamais augmenté en fait. Parce qu'ils ont pensé en mode salarié, comme si 10 000 euros par mois, c'est genre ça va être tout le temps là, ça va tomber tous les mois. Non, tu es entrepreneur. Donc, c'est cool parce que ça peut aller super haut et ça peut descendre vite, vite bas aussi. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Un petit j'aime si jamais tu as aimé la vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi sur le développement d'un business en ligne, ta pirate marketing qui est en description. Ok. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. J'ai ton camp.